ami d'enfance de Raphaël Ambourgère, le fils de France Gall, Daphné Burki se souvient. Comme beaucoup de médias, elle a bouleversé ses plans et programmé à la dernière minute une émission hommage à France Gall, l'artiste disparu le dimanche 7 janvier des suites d'un cancer. Mais pour introduire cette édition un peu particulière, Daphné Burki, RK, a évoqué une anecdote toute personnelle. Au départ, sa voix est posée, joyeuse, fidèle à sa bonne humeur habituelle. Daphné Burki, RK, qui introduit toutes ses émissions quotidiennes sur Europe 1, par un petit billet d'humeur, évoque France Gall, l'artiste, la chanteuse qui a bercé les 60 dernières années de sa voix au timbre si reconnaissable. Et puis l'émotion prend le dessus. Lorsqu'elle évoque Raphaël Ambourgère, son ami d'enfance, sa voix se fait plus chevrotante. Moi je connais Raphaël. Raphaël c'est le fils de France Gall et de Michel Berger. On habitait le même quartier à Paris, quand j'étais enfant j'étais au collège avec lui et avec sa sœur Pauline, décédée en 1997 des suites de la mucoviscidose, nœud de la rédaction, pendant quelques années j'ai pu connaître une famille géniale, une famille hyper généreuse, pleine d'amour. L'animatrice poursuit, émouvante, son père, sa sœur et maintenant sa mère sont partis. Alors je pense particulièrement à Raphaël ce matin. Le dernier héritier du clan Ambourgère, véritable patronyme de Michel Berger, sera sans doute touché de ce soutien de son ami.